Bonjour. Vous allez vous lancer dans un voyage qui vous fera découvrir l'histoire aussi riche que fascinante de la Grèce antique. Vous allez vous immerger dans l'univers incroyablement détaillé qui fut reconstitué pour Assassin's Creed Odyssey. Vous pourrez explorer à votre rythme, sans risque ni précipitation. Pour une expérience guidée, suivez l'une des nombreuses visites supervisées par des historiens et des archéologues. En chemin, vous aurez l'occasion de dialoguer avec de célèbres Grecs de l'Antiquité. La Grèce classique que vous allez visiter est au sommet de sa gloire. Cette période est synonyme de réalisation majeure de l'esprit comme de la matière. Son paysage est parsemé de merveilles dont certaines sont parvenues jusqu'à nous. Et ses progrès dans les domaines de la philosophie, de la politique et de l'art influencent encore profondément nos sociétés modernes. Nous espérons que vous apprécierez tout ce que la Grèce a à vous offrir. Et nous vous souhaitons un plaisant séjour. C'est pas mal. Alors, il y a 11 visites. Estimé 25 minutes. Explorer la splendide Acropole. J'aimerais commencer la visite. L'Acropole d'Athènes est un bastion d'art et de culture digne des dieux eux-mêmes. Dans cette citadelle, tu trouveras de nombreux édifices sacrés, ainsi que certaines des plus belles réalisations artistiques de toute la Grèce. L'Acropole a connu de nombreux changements au cours de sa longue histoire. Ce qui n'était qu'un simple rocher occupé dès le néolithique est devenu à l'époque mycénienne une véritable forteresse. Des bâtiments en pierre y ont été érigés au 7e siècle avant l'ère commune, mais les célèbres édifices dont les ruines sont encore visibles remontent pour l'essentiel au 5e siècle avant notre ère. L'emplacement de l'Acropole est étroitement lié au mythe de la fondation d'Athènes. Il s'agirait du site où Athéna et Poséidon se seraient affrontés afin de devenir la divinité tutélaire de la ville. Ce lien a valu à l'Acropole une aura sacrée qui a fait d'elle le cœur religieux de la ville. Le temple d'Athéna Niké a été bâti sur les vestiges de fortifications de l'époque mycénienne. On a retrouvé des traces d'activités religieuses remontant au 6e siècle avant l'ère commune, mais le bâtiment lui-même a été détruit lors des guerres médiques un siècle plus tard. Il fut reconstruit pendant la guerre du Péloponnèse. Dans la mesure où le nom d'Athéna Niké signifie « Athéna de la victoire », il a probablement été érigé dans l'espoir qu'Athènes remporterait la guerre. Contrairement à la plupart des temples ornés d'œuvres d'inspiration mythologique, celui-ci présente des scènes de batailles historiques contre les Perses. Sa prêtresse était choisie au hasard parmi les Athéniennes et recevait des émoluments annuels de 50 drachmes ainsi que des pots et trophées provenant d'animaux sacrifiés. L'Acropole a été très longtemps en chantier, notamment en raison de sa destruction partielle pendant les guerres médiques. C'est au 5e siècle avant l'ère commune qu'elle a connu ses embellissements les plus significatifs. Cette période fut extrêmement florissante pour Athènes, à la fois financièrement et culturellement. Les excellents résultats économiques du commerce et des mines d'argent du Laurion ont permis à Périclès, le dirigeant d'Athènes, de financer un vaste projet de reconstruction de la citadelle. Il a fait appel à des artistes de renom comme le sculpteur Phidias, ainsi qu'aux architectes Ictinos et Callicrates. Ensemble, ils érigèrent des édifices tels que le Parthénon et les Propylées. L'objectif de Périclès était de faire de l'Acropole un site consacré aux dieux et aux mortels athéniens. Derrière les Propylées se dressait la statue géante en bronze d'Athéna Promachos, ou Athéna à la tête des troupes. Ce nom se reflétait sur la lance et le bouclier que la statue tenait en main. Elle a été créée au milieu du 5e siècle avant l'ère commune par Phidias. Selon une inscription, sa fabrication a réclamé 9 ans et a coûté un demi-million de drachmes. Haute d'environ 10 mètres, cette statue était si grande que Pausanias déclara qu'elle était visible de la mer, près du cap Sounion, à 60 km de là. Les ornements du bouclier de cette statue ont été gravés par Mys. Et ça donne envie de continuer, hein.
C'est quoi le prochain? Ça doit être le temple, à mon avis. Les Arephores étaient des filles âgées de 7 à 11 ans, chargées de rites spécifiques. Une liste de 4 enfants était établie par l'Assemblée des citoyens et le haut magistrat, l'archonte Basileus, y choisissait les 2 Arephores de l'année. Elles vivaient dans une maison située sur l'acropole. Elles avaient en charge des objets sacrés et le tissage des péplos d'Athéna. Le péplos était une robe sacrée offerte à Athéna lors des Panathénées, des fêtes en son honneur. L'Érechtheion était un temple peu ordinaire. Il était consacré à Athéna Polias, mais aussi à Cécrops, le mythique fondateur d'Athènes, à son fils Érechthée, et même à Poséidon qui avait affronté Athéna pour devenir la divinité de la cité. Ce temple était divisé en plusieurs sections. La partie orientale renfermait une statue consacrée à Athéna, tandis que la portion ouest appartenait à la fois à Poséidon et à Érechthée. Enfin, on pensait que la tombe du roi Cécrops se trouvait sous le portique des Cariatides. Il y avait sous le temple une crypte dont on disait qu'elle contenait les serpents sacrés d'Athéna. Ces serpents devaient aimer le sucre, car on dit que les prêtresses d'Athéna les nourrissaient de gâteaux au miel. Alors ensuite, on arrive où? Alors, on arrive devant l'acropole en lui-même, j'ai l'impression. Le Parthénon est l'un des édifices les plus connus au monde. Il est également un symbole de la civilisation grecque. Ah, c'est le Parthénon, en fait, qui s'appelle. Bien que situé sur l'acropole, c'est l'ensemble. Il ne s'agit pas d'un temple traditionnel. Il a été bâti par le sculpteur Phidias et par les architectes Callicrates et Ictinos en tant que monument à la gloire de la cité d'Athènes. Cette gloire transparaît dans ses nombreuses sculptures. Les décorations du Parthénon, l'un des monuments les plus sculptés de l'architecture grecque, présentent plusieurs scènes de la mythologie. On peut ainsi citer la naissance d'Athéna, sa lutte contre Poséidon afin de devenir la divinité d'Athènes. Putain, mais il y a vraiment beaucoup de détails en fait, hein, dans tous les immeubles, dans tous les bâtiments plutôt. Donc là, c'est la statue d'Athéna à l'intérieur. Renfermait une imposante statue d'Athéna, considérée comme l'un des plus grands chefs-d'œuvre du sculpteur Phidias. La statue était de nature chryséléphantine, c'est-à-dire composée d'or et d'ivoire. Afin de justifier son coût astronomique, Périclès dit aux Athéniens que la statue constituerait une réserve d'or susceptible d'être démantelée en cas de difficulté financière. La cella aurait également contenu un bassin dont la fonction principale aurait été de contrôler l'humidité de la salle afin d'assurer la conservation de l'ivoire de la statue. Oh, c'était hyper intelligent! Pour conserver au mieux la statue, ils avaient installé des bassins qui humidifiaient la pièce, en fait. Et c'était pas mal l'explication de Phidias pour dire que, en fait, ça dérange pas le prix et le coût plutôt de cette statue, puisque si un jour on est en difficulté financière, il suffira de la démanteler pour récupérer l'argent. C'est énormissime. Ça, c'est la salle des trésors. Le trésor de la cité d'Athènes était stocké au Parthénon, sous la protection directe, pensait-on, d'Athéna en personne. Le trésor était composé d'objets de grande valeur, acquis lors de diverses conquêtes, mais aussi de pièces d'argent et de diverses offrandes à Athéna. Périclès décida par ailleurs de déplacer l'intégralité du trésor de la Ligue de Délos au Parthénon en moins 454. Cela témoignait de la prééminence d'Athènes par rapport au reste de la Grèce. Les richesses étaient divisées en 2 parties, la Demosia, qui appartenait à la cité, et la Hiera Cremata, consacrée à la déesse et seulement utilisée à des fins religieuses. Ah, écoutez, discussion avec Aspasia, pour la fin, je pense. Alors, qu'as-tu pensé de l'acropole? C'est vraiment quelque chose, n'est-ce pas? À la fois un sanctuaire sacré et une merveille d'architecture. Si tu as des questions, n'hésite pas, pose-les-moi. Ah, le quiz de visite! Ah, ça, c'est nouveau, ça. À la fin de chaque visite, vous pourrez répondre à un quiz. Eh bien, on va répondre tous ensemble, vous allez m'aider. Que votre réponse soit ou non la bonne, votre hôte vous fournira des détails sur celle-ci. Les visites pour lesquelles vous aurez répondu au quiz adopteront
Le statut quiz effectué. Quels dieux se sont affrontés pour devenir la divinité d'Athènes ? Ah, c'est Athéna et Zeus. Athéna et Poséidon, pardon, c'est ça. Très bien. Poséidon et Athéna se sont affrontés pour devenir la divinité d'Athènes. Il suffit de songer au nom de la ville pour savoir qui l'a emporté. Maintenant, bien question sûr. Suivante. Qui a sculpté la statue d'Athéna qui se trouve au Parthénon ? Phidias. Oh, je suis trop fort. Exact. Cette statue a été réalisée par Phidias et on considère que c'est l'un de ses plus grands chefs-d'œuvre. Maintenant, la dernière question. Quel tombeau de roi était censé se trouver sous le portique des Cariatides ? Franchement, je sais pas. Ils en ont pas parlé, les gars, de ça. Ils en ont pas parlé de ça. Le roi qui devait être enterré. Moi, j'aurais dit Léonidas. Hein. Ouais, là, j'en sais rien non plus, me dit Chef Puma. On va tenter Léonidas quand même. Léonidas était un roi de Sparte. Il n'aurait jamais été inhumé à Athènes. Cherche encore. D'accord. Ben, Ménélas non plus. Donc c'est Persée ou c'est Crops ? Persée, me dit Nolan. Persée a tué la gorgone Méduse et a fondé Mycène. Mais il n'est pas enterré sous le portique des Cariatides. Voilà. Continue à chercher. Donc ça, c'était la réponse à Nolan. Donc c'est Crops, parce que Ménélas, c'était pas un Athénien. Ménélas ? Si, c'était un Athénien. Ils ont fait la guerre à Troie. J'ai bien peur que non. Ménélas ah ouais. doit sa célébrité à son mariage, avec Hélène de Troie. La guerre qu'il a menée quand elle l'a quitté pour le beau Paris. Allez, propose un autre roi. Ah ben c'était Cécrops, mais on n'en a pas parlé du tout. C'est lui. Cécrops ou Kécrops aurait été le premier roi d'Athènes. Et on dit que son tombeau était sous l'Érectéion. Tu connais très bien ce site, on dirait. Je t'adresse mes louanges. Comme tu l'entends. J'espère te revoir bientôt.